La Force Saint-Romain a ouvert ses portes le vendredi 25 octobre pour un mois du Fat Fair. L'occasion pour petits et grands de découvrir bon nombre de manèges à sensations comme le nouveau TE Max, ou encore de revisiter les classiques de la Force comme le Top Spin Fresh, le Tagada, le Happy Sailor, et bien d'autres encore. La foire a été inaugurée le samedi 26 octobre en présence du maire de Rouen, de Robert Hill, parrain de la foire Saint-Romain 2013 et entraîneur des joueurs de rugby du club de Rouen. Après ces quelques images, nous vous proposons d'écouter les différents discours prononcés à la Corporation Foraine. Pas d'ennemis, pas de danger. Avec la ville, notamment avec Aurélien et Patrick Aymon, pour réorganiser notamment toute la partie qui est entre le pont Guillaume le Conquérant et le hangar 106, le 106, qui est une réinstallation complète de la foire qui s'est faite dans des conditions parfaites, et dire comment le travail fait avec l'ensemble des forains qui sont sur la foire autour du comité d'organisation et de tous ses responsables s'est déroulé absolument parfaitement. Et je tenais à dire à tous que les petites difficultés que nous avons eues en début de semaine ne tenaient absolument pas à l'ensemble des forains qui sont ici, avec qui nous avons travaillé ces deux dernières années pour mettre en place ce nouveau dispositif, et qu'il s'agissait d'autres forains, mais que tout le travail qui a été fait, les collaborations nouées depuis des années, je veux dire, ont continué, bien entendu, dans le meilleur esprit, jusqu'à aujourd'hui et pour les mois et les années qui suivront, je n'en doute pas un seul instant. Donc un grand merci à tous, un grand merci à tout le comité d'organisation. On pense aussi à notre ami Gérard Pouchke qui était souffrant et qui ne pouvait pas être là cet après-midi, qui est le propriétaire de l'Ours Noir et le président du comité des fêtes de la foire. Mais un grand merci aussi à Didier Choiset qui est l'adjoint chargé de la foire, Aurélien Guillemard et Patrick Aymon qui ont plus particulièrement travaillé avec tous les forains pour faire en sorte que et cette foire et cette inauguration se passent et soient absolument formidables. On a un temps absolument merveilleux, alors espérons que maintenant pour les 5 week-ends qui nous restent, on puisse bénéficier d'autant de chances. Ce serait parfait pour tout le monde. Merci de votre attention et bonne fin d'après-midi. Je suis anglais, donc j'ai un petit morceau de papier pour lire. Je suis l'entraîneur, je m'appelle Monsieur Hill, Richard Hill. Je suis entraîneur de l'équipe de rugby à Rouen qui s'appelle Stade Rouennais. Je suis très fier aujourd'hui d'être invité pour être le parent de la foire. Et j'ai amené aussi les joueurs du Stade Rouennais. Je voudrais remercier le comité de promotion de la foire et surtout
vous remercier pour l'invitation au stade rouennais. Cette ville magnifique de Rouen mérite une grande équipe de rugby. Et aussi, elle mérite une foire magnifique. Monsieur, vous avez les deux aujourd'hui. Si je peux parler d'abord, s'il vous plaît, pour Florin, pour nous, dans notre sport de rugby, comme vous, les Florins, c'est très important d'avoir les valeurs très claires et très fortes. Nous devons travailler ensemble. Nous devons avoir la mentalité pour le combat de temps en temps. Nous devons avoir un groupe de joueurs, entraîneurs, bénévoles, dirigeants et supporters qui sont bien soudés avec un état d'esprit très très fort. Il faut protéger le dos de chacun. Nous devons protéger le dos sur le terrain et hors du terrain. À mon avis, beaucoup de vos valeurs sont presque les mêmes que les nôtres. À la mairie, je dois dire que nous sommes très fiers à jouer pour la ville de Rouen. Et nous allons faire tout ce que nous pouvons faire pour construire une équipe très très forte à Rouen. Aujourd'hui, je suis très content aussi d'avoir les trois ensemble, qui travaillent ensemble. Le stade rouennais, la mairie et les forains. Et dernière chose, je voudrais dire quelque chose. Vive le stade rouennais et vive la foi Saint-Romain. Merci beaucoup. J'espère que vous avez bien pris note des dates du 25 octobre au 24 novembre 2013 pour offrir un dernier tour de manège aux plus jeunes d'entre vous.